Alors une infrastructure dans la compréhension commune, c'est un bien essentiel qui sert au développement de la collectivité, en particulier aux services publics de cette collectivité. Alors les infrastructures, il y en a deux grandes familles. Il y a d'abord les infrastructures de mobilité, qu'on connaît bien. Ce sont les routes, ce sont les autoroutes, ce sont les ports, ce sont les aéroports, ce sont finalement aussi les grands réseaux d'énergie. Ce sont aussi maintenant de plus en plus, par exemple, les infrastructures digitales comme la fibre. Donc ça, c'est la première grande famille. Ils ont comme caractéristique d'être souvent linéaires, souvent organisés en réseau. Et puis après, il y a une deuxième grande famille d'infrastructures qui aujourd'hui existent, qui sont les sociales infrastructures, c'est-à-dire les infrastructures qui permettent le développement des services publics sociaux, par exemple des universités, par exemple des hôpitaux, par exemple des palais de justice, qui ont cette caractéristique, eux, de servir un bien de service public qui est soit la santé, soit la justice. Et ce sont des modèles qui sont extrêmement développés à l'étranger. Alors l'investissement dans les infrastructures est finalement une donnée qui est assez nouvelle, puisqu'on a commencé à vraiment parler de classes d'infrastructures il y a environ 15-20 ans. Les grandes tendances aujourd'hui, c'est qu'on passe d'un modèle qui était finalement assez pur, assez simple, dans lequel vous aviez des investisseurs qui, notamment quand ils faisaient ce qu'on appelle du greenfield, c'est-à-dire qui construisaient l'infrastructure, allaient être payés par des loyers tout au long de la vie du contrat, à des modèles aujourd'hui beaucoup plus complexes, dans lesquels, par exemple, il va accepter de prendre un risque trafic. Par exemple, il va se sentir dans l'obligation de travailler les nœuds de mobilité, si jamais c'est une infrastructure ferroviaire. Donc en réalité, un contexte qui est beaucoup plus complexe et donc qui nécessite probablement d'autres types de compétences. Et dans les grandes tendances, j'en vois une en particulier, c'est l'impact sur tout ce qui est aléa climatique et de lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'aujourd'hui, tous les investisseurs demandent à ce que justement leur investissement puissent bénéficier à l'ensemble de la planète, c'est-à-dire en évitant le réchauffement climatique. Donc ceci est probablement un des éléments de nouveauté, la complexité d'un côté et l'impact sur le climat de l'autre. Alors il y a clairement un besoin d'investissement dans les infrastructures, probablement, il a été chiffré d'ailleurs, autour de 50 milliards d'euros. Sûrement dans le transport. Il y a aujourd'hui beaucoup de sujets, par exemple, autour des petites lignes ferroviaires, puisque aujourd'hui le grand réseau est quand même bien doté, on va le dire. Il y a par exemple un vrai besoin d'investissement sur la rénovation des routes et des autoroutes au-dehors de tout ce qui a été le système concédé. Il y a aussi des besoins d'infrastructures nouvelles, par exemple dans les réseaux de fibre, même si la France est très développée. Et puis on voit émerger des nouveaux objets auxquels on n'avait pas pensé il y a certaines années. Par exemple, les bornes de recharge rapide de véhicules électriques. Si une des grandes politiques publiques, c'est de développer le véhicule électrique, probablement faut-il installer ces bornes de recharge. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas là en train de créer une nouvelle infrastructure ?